Le concours d'entrée en 6e à sa session de 2012 a débuté sur l'ensemble du territoire. 45 495 candidats répartis dans 1455 centres vont devoir user de plus de réflexion et de savoir afin d'affronter les épreuves leur permettant d'accéder à l'enseignement secondaire. Comme ici, dans le centre Montfort de Libreville, l'heure est à la concentration et à la réflexion. Rien ne doit être laissé au hasard pour ne pas rater le départ. Dans ce centre, tout semble normal et pour le confirmer, la présence du dit centre donne des détails. Les épreuves se passent très bien depuis ce matin, il n'y a pas d'incident majeur. Et les enfants sont tous dans les salles de classe, comme vous avez constaté. Les surveillants sont pratiquement tous là, présents aussi. Donc, il n'y a vraiment rien à signaler en dehors de tout ce qui a été dit tout au début. Même son de cloche à l'école publique de Kingélé, où au-delà des absences constatées, les épreuves, comme l'indique la présidente du dit centre, se déroulent apparemment bien. Depuis le matin, ça se passe bien. On a commencé par les questions de cours, suivies de l'épreuve du problème. Depuis le matin, on n'a pas encore eu d'inconvénients, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien, les surveillants sont dans leur salle. Et nous qui sommes à la présidence, nous coordonnons les épreuves, sinon il n'y a pas de problème. Cette année, selon la direction des concours, qui a enregistré 1982 candidats en plus par rapport à l'année précédente, un chiffre qui a grandi en un an. Au menu des épreuves, questions de cours, problèmes et dictées pour la matinée et l'étude des textes en après-midi. Ainsi prendra fin ce concours d'entrée en 6e en sa session de 2012.